Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui en mode nature peinture. On est mercredi, c'est télétravail, je viens de terminer ma journée. J'ai fait une razzia de maillots de bain sur Shein. Bon, vous savez que l'essayage va être un petit peu particulier. Je vais vous mettre une photo ici que je vais essayer de mettre un peu plus grande que la dernière fois parce que j'ai eu la remarque. C'est plus pour vous présenter la pièce que vous la montrer portée sur moi, puisque je ne suis absolument pas à l'aise avec ça du tout. Mais tous les ans, j'aime acheter un nouveau maillot de bain, un ou plusieurs nouveaux maillots de bain, parce que j'adore ça. Quand je suis en vacances, j'aime changer quasiment tous les jours de maillot de bain. J'ai toujours un maillot de bain chouchou, mais j'aime changer, j'aime renouveler, etc. Et j'en ai plus qu'un qui me va cette année. Donc, j'ai fait une razzia sur Shein. J'en ai pris quand même quelques-uns, je vais vous les présenter, je vais vous mettre la photo ici. J'ai pris aussi des petites choses pour mettre au-dessus, puisque des fois on sort de la piscine, on va se balader, etc. Moi je me promène pas en maillot de bain, même dans le camping, mais ça me dérange pas de garder mon maillot de bain mouillé sur moi quand il fait chaud. Donc j'aime bien porter des sorties de piscine le soir ou tout ça, j'aime bien. Donc voilà, j'arrête de toucher mes cheveux sinon je vais avoir la remarque. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai aussi commandé un t-shirt, un short, une blouse et une combinaison. C'est un fail total. Tout est un fait. Bon, on s'est rapproché un petit peu parce que j'ai tout là sur l'étalage, sur mon lit. Donc, je vous montre ça. Alors, sachant qu'il y a un maillot de bain que j'ai commandé deux fois. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un maillot de bain que je n'ai pas, que je vais pas vous montrer en vidéo et que j'ai essayé mais que je ne mettrai pas la photo parce qu'il est extrêmement échancré à l'avant. Pour moi c'est importable, enfin pour moi, attention, parce que moi je n'aime pas ça. Et une sortie de bain que j'ai pas compris du tout. J'ai mis 20 minutes à essayer de la positionner, j'ai jamais réussi, donc j'ai lâché l'affaire, je vous présenterai pas, c'est pas la peine. On va commencer par le commencement. De toute façon, peu importe. Hein. Alors, j'ai essayé de prendre de la couleur et du basique, évidemment. Là, on est sur un maillot de bain bleu marine, comme ceci, avec un petit détail doré. Je crois qu'il y en a qu'un ou deux où je vous ai pris la photo de dos parce que c'était assez intéressant. Les autres, il n'y avait rien de fou particulier, donc j'ai pas pris. Donc on est sur un... Alors ce sont que des maillots de bain, une pièce. Hein. Alors c'est non négociable. La matière, un petit peu gaufrée comme ceci. On a un bandeau sous la poitrine. On est serré comme ça. On est avec un truc comme ça à l'arrière. Un petit anneau doré. Celui-là je l'aime pas parce que à l'arrière, en fait, les lacets... J'ai pas pris la photo parce que clairement je suis pas du tout à l'aise. Les lacets ça fait saucisson. Et moi en fait j'ai pas trop envie de ressembler à un saucisson à la sortie ou à la piscine. Donc non. Voilà. Voilà. Il y a des protections ici dans pas mal de maillots de bain. Et ça je trouve ça pas mal pour les personnes qui... n'aime pas montrer quand ça pointe, voilà, hein, on va appeler un chat un chat, qui veulent grossir un petit peu leur poitrine. Voilà, moi je préfère la réduire que la grossir, mais, voilà, chacun ses problématiques, hein, on n'a pas tous les mêmes problèmes, toutes et tous. Donc voilà, celui-ci, je ne le garde pas.
pas. Maintenant, si vous êtes plus mince, si vous n'êtes pas complexé par les bourrelets du dos, et bien foncez parce qu'il est vachement agréable. Ensuite, nous avons un maillot de bain bandeau rouge bordeaux. Je me suis dit, je vais me planter en disant celui-là. Effet un petit peu drapé sur la poitrine. Il est aussi un petit peu drapé sur le ventre. À l'arrière, il est extrêmement simple. Il y a une seule bandelette. En fait, vous voyez, il y a la bandelette ici, transparente, qui tient en haut de la poitrine. On a les petits coussinets ici qui sont toujours amovibles. Hein. On a toujours voilà, le trou qui est assez grossier d'ailleurs pour les enlever. Par contre, on n'a pas le, vous voyez, l'antidérapant ici en dessous de la poitrine. Et quand on a une poitrine assez généreuse comme la mienne, c'est problématique. Je sais que je vais passer mon temps à remonter comme ça. Je vais avoir l'un à Marseille, l'autre au Touquet ou à Paris. Enfin, vous voyez un petit peu, ça va faire comme ça, ça va pas me plaire du tout. Donc ça, je ne garde pas non plus. Ensuite, tac, on referme et on envoie valser. Alors, ça, je crois que c'est mon coup de cœur de ma commande. Il est vert. Bon, déjà, j'ai une passion pour le vert. J'adore le vert. J'adore le vert sauge, plus particulièrement. J'aime le kaki et j'aime le vert. C'est un vrai vert. Ça ne met pas en valeur, quand on est très large du haut, ça ne met pas du tout en valeur de mettre les épaules dénudées. Mais moi, j'adore ça. Il a une seule bretelle. La bretelle est un petit peu fine, pareil pour les poitrines un peu généreuses. Je fais un bonnet D, un bon bonnet D actuellement. C'est un peu limite de tenir avec ça. Maintenant, j'ai tellement kiffé que je le garde. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il a les coussinets que moi, je vais enlever. Hop, on a les deux coussinets. On a l'arrière qui est très simple. Il est comme ceci. Il a un petit effet aussi drapé, vous voyez ici, que j'aime beaucoup. Le détail ici de l'anneau doré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce maillot de bain. Franchement, je l'ai essayé avec. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que pour le coup, je garde les deux. Et vous allez voir que sur cette commande, c'est assez rare. Alors, c'est un genre de filet de pêche qui n'est absolument pas présentable, qui est assez court, qui est très large, très échancré, très ce que vous voulez. Je l'ai mis ici. Mais qu'est-ce que j'adore ce truc! Le fait qu'il n'y ait qu'une bretelle sur le maillot de bain ici, on peut le positionner de la même façon en fait que le maillot de bain. Je trouve que le vert en dessous, ça fait super joli parce que ça note quand même. Moi, j'ai énormément envie de le porter avec un pantalon en lin noir. Comme ça pour être hors vacances, ou avec un short noir aussi. Franchement, j'ai kiffé ce filet de pêche-là. J'adore. Donc ça, je garde, c'est sûr. Et je crois que ça fait partie des deux, trois seules pièces que je vais garder. Hein. C'est vous dire que c'est un flop. Hein. Alors, ensuite, on a ce maillot de bain-là. Alors là, je suis désolée, mais il n'y a rien qui va. La couleur, je n'aime pas. Et on voit la forme là, absolument dégueu, je trouve, qui fait sur la poitrine. Vous voyez, ça fait deux miches. Et au milieu, il y a un... J'aime pas du tout. Je pensais qu'il allait être plutôt dans les tons marron léopard, quoi.
Non, il est. On dirait un rose. Vous voyez? On dirait un rose. Un vieux rose. Pas du tout. Ça, c'est ajustable. C'est-à-dire que s'il y a un petit malin qui s'amuse à faire ça, bah, on a les miches qui. Bonjour tout le monde, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. Pas possible, pas possible. Sinon, il était un petit peu échancré quand même, mais portable. Pour moi, ça me pose pas de soucis, c'est pas vulgaire. Voilà. J'ai rien aimé de ce maillot de bain. Vraiment rien. Ni la couleur, ni la forme, ni rien du tout. Rien. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. ensuite. Là, on est sur le maillot de bain que j'ai commandé deux fois. À mon avis, je l'ai vraiment aimé en photo. Et pour le commander deux fois. Alors, celui-là, j'hésite. Celui-ci, j'hésite. J'hésite parce que... comment expliquer? Je ne sais pas si ça va se voir sur la photo, mais j'ai l'impression que mon corps est trop large par rapport à cette ligne-là. J'aurais aimé que cette ligne-là soit là, parce que je trouve qu'il fait trop petit, alors que j'ai de l'aisance dedans. Par contre, le détail ici, on a toujours les coussinets que moi j'aimerais enlever si je le garde. On a le détail ici, ça c'est un nœud fixe, hein, qu'on peut enlever d'ailleurs. Je suis pas sûre. Non, on peut pas. Ça c'est super joli et il est vraiment il a un aspect amincissant ou sculptant. Maintenant il peut pas faire des miracles non plus, hein. Il peut pas faire une abdominoplastie, vous voyez. Mais déjà le orange, j'adore. La couleur est magnifique. La matière côtelée est magnifique. L'épaisseur parfaite. Vraiment, j'aime beaucoup ce maillot de bain. Et du coup, j'hésite. Je ne sais pas pour celui-ci. Là, on est sur un flop. Un flop des familles. Attendez, j'ai plus de mémoire. Bon, me revoilà. Je pense que là, c'est bon. J'ai vidé toute ma corbeille, machin, etc. Bon, on passe à ce... À ce... saucissonnage. Là, je ne sais même pas si je vais réussir à mettre cette photo, mais là, c'est une horreur. C'est horrible. C'est cheap à souhait, ces jaunes breloques. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça, c'est d'un lait, coucou. C'est d'un lait, laissez tomber. C'est vraiment cheap à souhait. Ça bouge, donc bah, vraiment les mettre au milieu, milieu. Il n'y a rien qui va. Et puis la forme, mais la forme. Par contre, j'aimais beaucoup le coloris. Mais la forme, c'est impensable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Là, ça m'échappe. Il y a des fois, je fais beaucoup d'achats nocturnes. Et il y a des fois, franchement, je devrais valider mes paniers le matin. Parce que... on est sur un bandeau paillettes. Je veux absolument un maillot de bain paillettes pour cet été. J'ai des antennes de ouf de partout. Pour cet été, je le veux absolument. Mais ça ne sera pas pour celui... Ça sera pas celui-là. Parce que celui-là, il... Celui-là, il sert pas à grand-chose. Par contre, si vous avez une petite poitrine, mais foncez, il est d'un confort. Il ne gratte pas, il ne pique pas. Il est génial. Il est génial. Mais moi, je pense qu'il faut que je fasse une croix sur les bandeaux. Parce que trop de poitrine et trop d'envergure, quoi. Non, c'est pas terrible du tout. Ça, c'est non. Ensuite, au suivant.
C'est un rouge. C'est un rouge. C'est un flop. Mais un flop. Je pense que je suis trop grande. Je pense que j'ai un tronc beaucoup trop haut, long, grand par rapport au maillot de bain. La taille va, là au ventre et tout, ça va impeccable, en mode culotte, dos nu. Et ça, ça peut faire vraiment un beau décolleté, franchement. C'est super joli, ces décolletés-là. Sauf quand le décolleté, le tour de le raccou ici, qui devrait être à la place de mon collier qui en est un, ça arrive là, quoi. Bah non. Non, il y a un problème de longueur, là. Je ne suis pas assez petite, ou je suis trop grande. Mais j'ai pas compris, je suis déçue. Parce que j'aimais bien la coupe. Et après, je me suis dit, pour être autour de la piscine, pour bronzer et tout... enfin, pour bronzer, non. Moi, je mets de l'indice 50, 12 mois de l'année, mais... Mais quand même, on a toujours des traces en vacances. Eh bien, du coup, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Noir, basique. Je pense que celui-ci, je vais le garder. Je vais le réessayer correctement, mais je pense que je vais le garder. Il est basique. Franchement, il est bien, en fait. Il est basique, col V. Il y a les... Donc, il y a dans les... Dans tous, il y a les protections. Hein. Même dans les bandeaux. Hein. Donc, ça, je trouve ça plutôt très, très bien. Ça, moi, c'est pareil. Je vais enlever si je garde. Mais je pense que celui-là, oui. Et ici, il a un petit dos comme ça qui est franchement sympathique. Vous voyez, ça, c'est plus large, en fait. Ces parties-là sont plus larges et du coup, ça fait moins saucisson que le bleu. Et ici, on a un petit dos nu. Et puis, voilà pour ça. Bretelles toujours un petit peu fines pour les fortes poitrines. Mais bon, après, on leur demande pas non plus de faire des trucs de ouf à même pas 10 balles le maillot de bain. Ensuite, on va passer sur les dessus de bain, je crois. Là, on a une robe sortie de bain. Les bretelles sont réglables. Je trouve qu'elle n'a pas de forme. Elle ne sert à rien. Oui, j'ai toujours la toux. Elle sert à rien. Elle apporte aucune valeur ajoutée. Je pense que je vous l'ai mis en vidéo, celle-ci. Ben, c'est du lin très transparent. Très, très transparent. C'est pour ça que c'est une sortie de bain, clairement, pour la mettre en ville. Eh bien, après, si ça vous plaît, tant mieux pour vous. Hein, mais c'est plus compliqué, quoi. Ensuite, on a cette sortie de bain. Alors franchement, j'ai adoré cet effet de brillance, vous voyez. Vraiment, le haut, j'aime beaucoup, malgré que ce soit quand même près du corps et que je ne porte pas de près du corps. Mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, vous allez le voir. Alors d'un côté, je trouve que ça fait super mignon. Ça a un petit côté sexy, sans trop du côté où on voit le maillot de bain en dessous, à la cuisse, etc. Par contre, l'autre côté, c'est complètement ouvert, quoi. Ça fait pas sexy, c'est ouvert à la cuisse. Non, ça fait... il manque un bout de tissu. Ça fait une jambe où il n'y a rien du tout. J'ai pas compris. Ou alors, je suis complètement has-been parce que j'ai l'impression que les tendances, c'est pas mon truc. Mais bon. Ensuite, on a une pièce comme ceci, un truc hyper extensible, comme ça, vous voyez, voilà. Et avec ça, on fait un genre de pareo, quoi.
Je sais pas pourquoi je fais ça. Oui, j'arrive. En fait, ce que j'aime pas, c'est que bah, vous voyez, l'intérieur, il est pas, il n'y a pas le motif. Donc, ça fait bah, cheap. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ça se voit tout de suite qu'il y a un côté où il y a les motifs et l'autre côté non. Et c'est un petit peu dommage. Je vous l'ai mis en photo. Par contre, très facile d'installation, etc. D'installation, de mise en place. Ensuite, il y a ça. Je pense que ça va être beaucoup plus parlant sur la petite vidéo. J'ai adoré ce truc, mais je ne vais pas le garder. Parce que, alors, la matière est d'un confort. C'est vraiment du tulle élastique, vous voyez. Marron, comme ça. Alors, c'était écrit bronze doré. Doré. Non, c'est marron. En fait, je trouve que ça se... C'est tellement élastique que tout le drapé là-devant, il est super lourd. Ça fait vraiment... Vous voyez ça devant. Enfin, c'est pas... ça fait pas qualité. Ça se tient pas correctement. Vous voyez, c'est... Par contre, c'est très très beau. Pour quelqu'un qui aime... ou qui arrive à mieux le porter que moi. Parce que c'est peut-être aussi... le fait que moi je veuille absolument cacher l'avant, enfin mon corps quoi, qui fait que ça se positionne pas correctement, c'est possible. C'est possible. Mais j'adore la matière, mais j'aime pas la tenue en fait. Ensuite, écoutez, je crois qu'on va passer à la combinaison et aux vêtements. Parce que là, les maillots de bain, du coup, c'est fini. Alors, ça, c'est un big flop. Déjà parce que je vais arrêter les salopettes, en fait, sur Shein. De une, parce que je suis trop grand. J'ai un trop grand tronc, encore une fois, ou des trop grandes jambes, j'en sais rien. Mais là, c'était une combinaison dos nu, où on fait le nœud soi-même. Ici en haut au cou et on fait le nœud soi-même ici dans le dos. Je pense que vous le voyez. J'ai laissé mon maillot de bain noir en dessous parce que clairement l'emplacement pour la poitrine est quasi nul. Il faut avoir une petite poitrine. Clairement, je pense vraiment au max du max, un C au max du max. Il n'y a vraiment pas de recul ici et c'est pas extensible. Et elle est aussi donc transparente. Bon, ça voilà, on met un dessous noir, il n'y a pas de souci. Mais par contre, regardez comment elle est froissée. Je me suis dit, bah peut-être en commandant une taille plus grande, etc., peut-être que ça ira. Et au final, quand j'ai vu comment elle était froissée, je me suis dit, mais non, en fait, ça, on s'assoit deux fois, c'est même pas la peine. On a l'impression qu'on n'a pas repassé notre linge. Enfin, ça fait pas propre du tout. C'est dommage. Ensuite, j'ai essayé ce short. C'est un flop encore une fois, c'est trop grand. J'ai tout pris en XL de cette commande. Bah, le short, il est trop grand. En fait, j'ai l'impression que les shorts, les vêtements en curve sont plus grands que les XL des vêtements normaux. Alors, je sais pas, peut-être que je suis complètement folle, mais ça, c'est beaucoup trop grand, quoi. Alors que franchement, il est hyper confort et vraiment super mignon, quoi, ça, pour aller en vacances. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est trop grand. J'ai essayé avec ce t-shirt-là parce que je voulais faire un look comme ça, avec un genre de nœud sur le côté que j'ai pas fait à fond, mais je voulais mettre ça. Mais regardez ça. Et je vous épargne l'odeur, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est cheap, mais... Oh non. Ça, c'est pas possible du tout. Je pense que vous voyez.
C'est pas possible, quoi. C'est cheap, mais vraiment cheap. Ensuite, dernier article. On est sur cette blouse-là. Alors, franchement, cette blouse, moi, j'ai pas aimé du tout, mais la qualité est assez folle. Regardez. Franchement, la qualité est assez impressionnante. Il n'y a pas un seul fil sur cette blouse. Le motif est très très beau. Vous voyez, c'est un beau tissu. Un beau motif, un beau tissu. Par contre, j'ai un problème avec la coupe. J'ai pas compris. Déjà, bon, serré comme ça aux manches, aux bras, j'ai des gros bras, donc ça va pas. Je l'ai essayé avec un maillot de bain noir, mais bon, faut le visualiser avec un couleur chair ou blanc, mais j'aime pas la coupe, en fait. J'ai pas aimé la coupe. Je trouve que ça me va pas, en tout cas, ça fait trop carré. Mais vraiment, 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 elle est d'une qualité assez impressionnante. Vraiment. Écoutez, c'est enfin fini pour ce big haul d'été Shein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des idées. Je vais essayer de mettre les liens en barre d'infos, mais sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas si je sais faire. Mais je vais essayer. Je vais regarder. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour vos commentaires. Merci pour les vues. Merci pour vos abonnements. Ça fait énormément plaisir. Et j'adore parce que je vois mes petites abonnées qui viennent sous chaque vidéo mettre un petit commentaire, même s'ils donnent pas leur avis ou quoi. J'ai des noms qui reviennent comme ça systématiquement et ça fait énormément plaisir. De voir qu'il y a des personnes qui prennent du temps pour regarder mes vidéos, pour me regarder. Et je trouve que ça crée un lien particulier et je pensais pas du tout. Mais j'adore répondre à vos commentaires, vous lire, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vais pas le répéter à chaque vidéo parce que ça va faire très gnangnan. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Prenez soin de vous, surtout, et à très très vite.